Merci Hélène. Non mais sincèrement. Et le mieux, c'est que ce matin, j'avais une réunion à 8 h. J'ai déjà eu un truc comme ça, mais c'était pas moi en fait. C'était l'autre personne qui. Bon, tu vas bien? Ben oui, c'est les aléas, hein, ça, on a l'habitude. Hein. Oui. Ensuite, voilà. Ça fonctionne, on peut se voir et se parler, c'est quand même magique. C'est top, Eh vraiment. Bon, comment tu vas? bien, écoute, ça va, je suis ravie d'être avec toi. Parce que, comme toujours dans ces formations, en fait, on est bon, ben, une trentaine, hein, je crois, pas loin. Et ben, il y a toujours des petites frustrations de ne pas avoir échangé, etc. Donc, c'est vrai que du coup, quand tu m'as proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. C'est top. Parce que ben, c'est, moi, je suis beaucoup dans le partage et voilà, je trouve que Ah, c'est c'est top. formidable. En plus, Bon. quand on est sur la même famille, c'est ça, surtout ce ressenti d'être vraiment connectés les unes avec les autres. Ouais, c'est top. Ah. Du coup, j'ai deux questions avant de démarrer. La Ouais. première, c'est est-ce que tu souhaites qu'on enregistre l'audio et la vidéo et que je poste ensuite également pour que ce soit visible? Ou bien j'enregistre uniquement le son et ce sera uniquement sous forme de podcast. Moi, ça m'est égal, franchement. Non, vraiment, c'est important que tu me dises ce que toi tu préfères. Non, non, mais écoute, si tu veux tout enregistrer, si pour toi c'est mieux, Non, moi c'est je très suis bien. là pour faire plaisir aujourd'hui, là, tu vois. Voilà. Donc, je pense que tu m'as demandé, je ne sais pas quel est le fond exactement, mais tu vas peut-être m'expliquer, mais bon. Voilà, bon, après tout, moi, c'est rien, au contraire, c'est un partage, parler de spiritualité ou avoir des conversations profondes, c'est toujours enrichissant, moi, j'adore. Super. Bon, du coup, on va tout garder. Et là, du coup, je ne couperai rien parce que ce que tu réponds, c'est aussi de la valeur. C'est des choses qu'on va pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes. Alors, du coup, ben, c'est important que je t'explique, que je te réexplique pourquoi j'ai eu envie de faire ça, puisque manifestement, tout le monde n'avait pas eu les infos au même moment. Il y avait une mail list, moi j'ai envoyé, et puis Clotilde a fait passer. Et en fait, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas dans la mail list. Et en fait, l'idée, elle est venue quand j'ai vu les premiers passages, où d'un seul coup, je me suis dit, mais il y a des filles, effectivement, comme tu disais, où on se croise plus ou moins. Il y en a certaines, je les ai quasiment pas vues, finalement. Et d'autres que j'ai vues, que j'ai suivies, et où je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des personnes qui ont changé tellement fort en un laps de temps finalement très court et dans des conditions qui sont pas qu'on pas toujours été comme tu disais ben, confortables pour qu'on puisse vraiment échanger parce qu'avec l'histoire de la pandémie machin et tout moi par exemple j'ai été là jusqu'au mois de janvier de l'année dernière présente et ensuite je n'ai plus jamais été en présentiel et du coup je me suis dit je propose à Clotilde en fait d'interroger celles qui souhaiteront participer pour avoir un petit retour sur ce qui s'est passé pour elles dans la formation, mais ce qui s'est passé dans leur formation, dans leur vie, en fait, pendant cette année, pendant ces presque 18 mois, que ça touche au yoga, mais que ça touche aussi à leur vie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et de pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes qui verront ce modeste podcast ou cette modeste chaîne YouTube, mais pour leur donner envie, d'une part, de faire du yoga, quel que soit le yoga, puisque chacune a pratiqué son yoga. Et puis, de s'ouvrir, c'est-à-dire de faire des formations, que ce soit du yoga ou n'importe quoi, mais d'apprendre, de s'enrichir pour pouvoir après redistribuer, puisque c'est ce qu'on fait aussi quand on pratique le yoga. Donc voilà l'idée en fait. Donc je suis hyper C'est bien ce que contente. j'avais compris, mais c'est bien de le reformuler. Mais c'est bien ce que j'avais compris, effectivement. Et moi, j'ai toujours partagé le yoga, justement. Je vais toujours dans cette même optique, depuis toujours, de partager le yoga parce que la majorité des personnes ne savent pas ce que c'est que le yoga, en tout cas ceux qui ne pratiquent pas. Et ceux qui pratiquent ne savent pas ce que c'est que les formations aussi. Donc, ouais, Bien sûr. voilà, c'est des grands bouleversements et c'est Ah, c'est formidable. super. Bon, bah, très bien. Bah, alors, du coup, merci, merci, merci infiniment d'être là. Je suis très, très contente. Alors, je vais procéder de la même manière au début pour chacune des rencontres. Je vais te demander qui es-tu, d'après toi? Comment est-ce que tu peux me dire qui tu es en essayant de ne pas te définir par une fonction? Je fais toujours ça au début des podcasts. Super, ça me va très bien. Parce que j'avais vu le contraire, qu'il fallait que je sois dans une fonction. Donc, moi, je ne suis pas tellement dans des cases, j'aime pas être dans des cases. Donc, je suis multiple d'abord.
Donc voilà, comme d'ailleurs au cours de cette formation, hein, on a fait un exercice par rapport à ça et je trouvais ça très intéressant. Je suis multiple puisque déjà je vais être perçue différemment par les personnes, hein, dans des contextes différents. Et moi, je vais être différente en fonction de mon état émotionnel, du contexte. Donc voilà, après qui je suis, eh bien, j'essaie d'être en équilibre dans ma vie. Voilà, ma première, c'est ça en fait. J'essaie toujours d'être en équilibre dans ma vie et de pouvoir aider les autres. Ça, c'est, voilà, toujours. Et de recevoir et de donner. Voilà, ça, c'est ce qui me tient à cœur dans la vie. De recevoir et de donner. Ça a toujours été comme ça. Voilà, je suis née comme ça. Et j'en prends conscience de plus en plus et je le cultive maintenant. D'accord. Ce n'était pas forcément le cas avant. Du coup, est-ce que tu imagines que ça fait partie d'une mission que tu aurais dans la vie? Oui, je pense que ma place, est, en tout cas, moi, je suis à ma place là. D'accord. J'ai trouvé ma place. J'ai 55 ans maintenant. Et là, je suis vraiment à ma place. Alors, peut-être que dans 10 ans, je ne serai plus à ma place et qu'elle aura changé. Mais en tout cas, là, je suis à ma place et donc voilà, et donc j'essaie de donner tout ce qu'on me donne, en fait, je le retransmets, hein, à mon entourage, à D'accord. ceux qui veulent bien échanger avec moi. C'est ça. Alors, du coup, maintenant, est-ce que tu peux me dire si tu as une fonction? Ben, ma fonction, s'il doit y avoir une fonction, c'est en tout cas d'aider les autres, ça c'est sûr, la fonction de l'aide. Hein, parce que dans ma vie fait que depuis toujours, j'ai choisi une famille où j'ai aidé en fait, depuis tout le temps. Donc voilà, là je sais que ça marche. Voilà, et après recevoir maintenant, je commence à recevoir. Mais ma fonction elle est là d'aider, donc là c'est dans le yoga, hein. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Et ça a toujours été quand même dans l'aide. Voilà, d'accord, d'accord. Alors, bah, super, du coup, tu abordes plein de choses que j'ai envie de toucher. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, du coup, comme tu as déjà prononcé le mot yoga et que nous, ça va quand même beaucoup tourner autour de ça, est-ce que tu peux me donner ton parcours et puis jusqu'au moment où tu en es arrivé au yoga? Je pense que ça va être le corps de ce podcast. Parce que pour moi, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est le cheminement de chacune. C'est tellement incroyable, parfois improbable même. Oui, d'ailleurs, en discutant avec les unes et les autres, on s'est rendu compte que, enfin, moi, je me suis rendu compte que finalement, on avait toutes des parcours très spécifiques, quoi. Et il se passe quelque chose à un moment donné où, effectivement, là, on est obligé d'enseigner du yoga. Et ça a été le cas dans ma vie. Donc, comment dire? Alors, moi, professionnellement, alors j'ai découvert le yoga à l'âge de déjà enfant, ça, j'adore raconter cette histoire parce que c'est toujours plein d'histoires en fait. Et enfant, je passais pour aller à l'école à 10 ans, je passais devant, dans une petite rue, devant un centre de yoga où j'entendais des hommes et ça m'a déjà, ça m'a déjà interpellée. Et donc voilà, j'ai toujours été assez éveillée spirituellement, toute petite. Je posais toujours des questions un peu curieuses. J'étais très attirée par la religion, par voilà, la spiritualité. Et naturellement, eh bien, à l'âge de l'adolescence, à voilà, 18 ans, un peu plus jeune adulte, j'ai poussé la porte de ce centre de yoga et j'ai découvert le Hatha Yoga. Voilà, mais j'étais quand même bien jeune et donc c'est vrai que j'ai fait une petite année de yoga et ensuite je me suis beaucoup plus tournée vers la danse, voilà, vers le langage du corps différent. Et ensuite j'ai commencé à travailler dans le domaine professionnel, dans le commerce. En fait, j'étais commerciale, hein, itinérante, donc j'adorais ce contact aussi avec la nature. Et j'ai repris le yoga puisque là, le yoga me procurait un équilibre dans ma vie professionnelle, hein, ce calme intérieur, cette intériorité. Par moment, eh bien, ce yoga a disparu un peu de ma vie. Et puis, bon, voilà, il a paru, il a disparu. Jusqu'au jour où, à 30 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et à la suite de cet accident, j'ai eu des séquelles et j'ai été immobilisée. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, j'ai été immobilisée.
Et donc, ben, du coup, ben, j'ai dû changer de travail. Enfin, bon, toute ma vie a été chamboulée. J'avais la grosse tempête, changement de mari, etc. Donc, là, c'est le yoga, en fait, qui m'a permis de retrouver mon équilibre. Grâce au yoga, j'ai retrouvé la santé. Et après, je ne l'ai plus lâché, évidemment, parce que là, comme c'était très précieux et que là, voilà, il y a une reconnaissance, hein, on est une reconnaissance. Et à partir de là, je me suis dit, j'enseignerai le yoga quand je serai à la retraite. D'accord, wow. Oui, parce que bon, j'étais pas prête. Je m'étais dit, oui, je vais, voilà, je vais communiquer le yoga avec mes amis, etc., en discuter, mais je n'étais pas prête à en faire quand même ma profession. Et bon, après, j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Quand même, j'ai aidé les autres aussi dans le domaine de la santé. Les plus fragiles, les personnes en difficulté, dépendantes. Et j'ai découvert un univers très, très difficile. Émotionnellement, c'était difficile aussi pour moi. J'y suis restée une dizaine d'années parce que je m'étais dit que je ne pourrais pas faire plus. Donc, j'ai fait mon quota, on va dire. Et après, eh bien, je pouvais plus, émotionnellement, je pouvais plus. Donc, encore, le yoga était très présent dans ma vie à ce moment-là. Évidemment, j'en faisais vraiment tous les jours, hein, parce que je ne pouvais pas, même 3 fois par jour, parce que ça m'apportait vraiment un équilibre. Et petit à petit, donc, j'ai déménagé, j'ai eu un petit studio. Je me suis fait un petit studio et puis du coup j'ai invité des copines à faire du yoga avec moi. Et ça a démarré comme ça et donc on a fait du yoga et ça leur a vraiment plu. Et du coup, ben voilà, ça leur a plu et puis du coup c'est devenu un rituel, ça a été le week-end. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi j'enseignerais pas le yoga auprès des personnes dépendantes, justement. Donc comme j'étais aussi animatrice dans les maisons de retraite, et donc j'ai enseigné le yoga, ça a commencé comme ça, j'ai enseigné le yoga auprès des personnes que j'aidais. Et voilà, du yoga doux, évidemment, adapté. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, eh bien, j'ai commencé à enseigner le yoga dans mon studio avec des personnes à mobilité un peu réduite au départ. Voilà. Là, sur chaise, tout doux. Et après, toute forme de yoga. Et puis, je me suis mis à mi-temps dans mon travail. Et puis, finalement, j'ai saisi l'opportunité à un moment donné pour. J'ai pas attendu la retraite pour enseigner le yoga à plein temps. Et maintenant, j'enseigne le yoga à plein temps depuis 2016. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Voilà. Du Voilà. coup, super. Du coup, il m'est venu plein de questions pendant que tu parlais. Tu dis, ben voilà, j'ai enseigné le yoga et ou j'ai pratiqué le yoga. La première chose, c'est j'ai pratiqué le yoga. Quelle forme de yoga tu pratiquais? Parce que bon, dans le yoga, il y a plein de membres différents et on peut très bien pratiquer un yoga avec un des membres. Nous, là, je te parle du yoga de Patanjali avec ses 8 membres. Est-ce que tu avais une pratique particulière en fonction des périodes de ta vie ou est-ce que, enfin voilà, quel yoga pratiquais-tu? Oui, c'est vrai, tu as raison de dire ça finalement. Moi, j'ai pratiqué plusieurs formes de yoga et en fonction de ce que je traversais dans la vie finalement, j'ai pratiqué des formes différentes. Donc, j'ai démarré le yoga à 18 ans par du hatha yoga. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, j'y suis pas restée parce que c'était trop profond par rapport à mon âge, je pense. Ensuite, j'ai continué dans le hatha yoga et ensuite, j'ai fait du vinyasa. Et ensuite du yoga Iyengar, un peu plus thérapeutique. En fait, est-ce que c'est des choix? Moi, je suis très curieuse. Donc, j'ai pratiqué des yogas que je ne connaissais pas. Voilà, je ne savais pas, en fait, ça a été en fonction de mon agenda, parce que l'agenda était bien booké, en étant maman, etc. Donc, bien booké. Donc, du coup, ben, j'ai pratiqué en fonction de mon emploi du temps. Et quand même, j'ai toujours une préférence pour le yoga thérapeutique, pour le yoga profond. Voilà, j'ai toujours une. J'ai jamais fait le yoga très très dynamique comme le Bikram par exemple. J'ai jamais essayé seulement. Bon, je sais, mais j'ai jamais essayé. Mais voilà, j'ai toujours eu une préférence pour le yoga doux. Mais finalement, tu vas me dire, mais pourquoi alors t'être dirigée vers Clotilde? Hein? Non? Non, justement, mais tu peux justement me dire pour comment tu l'as rencontré, Clotilde, mais j'avais quand même encore une question. Tu as évoqué le fait que tu étais maman.
Donc, tu es maman et prof de yoga et aussi, bien sûr, avant tout, une femme. Et est-ce que le fait d'être une femme dans le fait que tu aies pratiqué certains yogas, ça, y a un lien quelque part ou pas du tout? Et est-ce que surtout le fait d'être une femme, ça a un sens pour toi particulier quand tu enseignes et en fonction aussi du public que tu as? Est-ce que ça a un sens pour toi particulier d'être une femme? Complètement. Bon, cette féminité, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que j'étais plutôt masculine à l'intérieur de moi que féminine. Et ce qui me gênait, alors moi j'ai eu une prof de yoga, hein, et deux profs, et, enfin une femme et deux hommes. Alors finalement, bon, peu importe en fait, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Mais effectivement, le fait de recevoir des cours de profs féminines, il y avait quand même un côté lié, voilà, au périnée, au bassin, aux rondeurs, que j'aimais beaucoup et que je ne retrouvais pas forcément. Enfin, j'aimais bien aussi ce côté en même temps plus difficile, plus dans les muscles aussi masculins. Donc, moi, j'aime bien les deux côtés. Moi, j'aime les deux côtés, et le yang, le hatha. D'ailleurs, j'aime bien les deux côtés. Maintenant, moi, je sais que j'ai une façon plus féminine parce que, à mon âge, maintenant, je suis plus. D'abord, il y a ce rapport au périnée qui est très important, que les hommes, en règle générale, enseignent peu, en tout cas. Il y a beaucoup d'hommes qui ont même, horrible de le dire, mais qui n'ont même pas conscience d'avoir un périnée. Si on remet les choses là où elles sont, c'est quand même que des histoires de nana, hein. Enfin, voilà, souvent. Moi, en plus, j'ai fait une formation avec Bernadette de Gasquet sur le périnée. Donc, tu vois, j'ai adoré cette formation. Et puis, j'entendais tellement d'élèves qui avaient des soucis au niveau du périnée, avant, pendant la grossesse, après la grossesse et un peu plus tard dans l'âge. Bon, le périnée nous accompagne, évidemment, de notre plus jeune âge jusqu'à notre âge plus ancien. Donc, important. En plus, c'est le symbole de la féminité pour moi, je trouve. Donc, oui. Et d'ailleurs, j'ai choisi Clotilde aussi parce que c'est une femme. Oui, voilà. Et tu l'as rencontrée comment, Clotilde? Alors, Clotilde, je ne la connaissais absolument pas. Alors, d'abord, j'ai longtemps cherché un prof de yoga pour avoir une formation, puisque moi, j'ai été une autodidacte. Mmh. Et pendant longtemps, je cherchais... à recevoir des cours pour être certifiée, mais je ne trouvais pas de professeur qui fasse écho en moi, qui résonne en moi. Et donc, je faisais des recherches sur Internet aussi, puisque je suis à La Rochelle, hein, donc c'est quand même, on n'est pas à Paris, on a moins d'offres ici. Et donc, j'ai découvert Clotilde en regardant des vidéos aussi, donc c'est pour ça que je suis réceptive aussi. Et j'ai découvert son parcours, son site. Et j'ai trouvé que voilà, ça me correspondait. Et donc, je me suis engagée sans la connaître. Et je suis quand même allée faire un cours à Paris et j'ai été très enthousiaste. Voilà, ça correspondait. Mais je sentais, moi, je me laisse faire par la vie, je suis beaucoup dans l'intuition. Donc, j'ai ressenti que c'était ma famille d'âme, comme je dis quand je rencontre des belles personnes. Voilà. Oui, donc c'est important en fait. Du coup, je vais faire une petite parenthèse parce que donc on vient de suivre une formation de yoga 300 heures avec Clotilde Vartlet. J'avais déjà fait un podcast l'année dernière avec Clotilde. Et bien sûr, avant de vous interroger toutes, là, de vous demander comment vous aviez vécu la formation, j'en avais parlé à Clotilde qui m'a dit oh, bah, super, c'est une bonne idée. Et elle voulait elle aussi réenregistrer un podcast parce que d'après ce que j'ai compris, ce que j'ignorais complètement, on était la première promotion 300 heures. C'est juste incroyable tout ce qui a pu se produire dans cette formation pendant ces 300 heures pour nous, mais pour elle, d'enseignement, connaissant Clotilde, qui est comme ça en permanence avec des écoutilles hyper en ouverture, ça a dû être un enrichissement. Je pense qu'il y a des choses qui se modifient intérieurement quand on vit ces expériences-là. Du coup, donc voilà, il s'agit de Clotilde Vartlet et je te remercie parce qu'on a toutes rencontrer Clotilde de manière différente. Hein, voilà. Moi, pour moi, c'était pour les 200 heures. J'avais fait déjà mes 200 heures avec elle. Et je peux presque dire que ce n'est pas le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est pareil, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant de démarrer cette formation. Et moi, je n'avais même pas pris un cours de yoga avec Clotilde.
Et d'ailleurs, je peux ajouter que je pense que j'aurais pris un cours de yoga avec Clotilde. Je n'aurais peut-être pas suivi la formation. Parce que j'ai été, et c'est important à souligner, j'ai été très, comment dire, la première fois que j'ai suivi un de ces cours, j'ai presque été bouleversée, mais dans le mauvais sens. Elle a une telle rigueur, un tel œil, des adaptations en permanence. Elle est toujours en train de modifier la toute petite chose qui fait qu'on va incarner la posture avec les alignements parfaits pour notre anatomie. Que ça m'a, moi, ça m'a un peu chamboulée. Moi, j'étais à l'époque, j'enseignais le yoga, mais tu vois, en salle de fitness, donc tu vois un peu le cadre. Et puis, je pratiquais pour moi, mais très peu, et sans aucune conscience de ce dont j'ai conscience maintenant. J'étais éduque sportive, prof de fitness. Et j'adore toujours ça, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Évidemment, quand je suis arrivée avec certaines idées sur la manière dont on gainait, on parlait de gainage, et qu'elle est arrivée, qu'elle a modifié un tout petit truc, ou qu'elle a posé son pied sur ma cuisse, chose que jamais j'aurais fait dans une salle de fitness, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et je me rappelle des deux premiers week-ends où ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a rappelé à l'ordre complètement. Ouais. Et ça aurait pu partir en vrille, vraiment. Mais non, parce que... En fait, voilà. Moi, tu vois, pour les raisons que tu évoques, moi, je l'ai choisi par rapport à ça, justement. Ouais. Donc, j'ai aimé cette rigueur, ce détail et ça. Ah, ouais. Voilà, j'avais... Parce que moi, je suis comme ça aussi. J'aime enseigner dans ce sens-là. Mmh. Et donc, ça correspondait parce que c'est vrai que le yoga, c'est aussi le détail. Hein. C'est vraiment là... Complètement. Et en tant que formateur, encore plus. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas l'expérience de ce détail, si elle ne nous pousse pas dans nos retranchements et à chacune avec nos anatomies, bien évidemment, on ne pourra pas avoir la même exigence avec nos élèves. Après, il y a manière d'amener les choses et en fonction de ce qu'on est, nous, et de notre public, on va donner un cours différent. Mais oui, il est hyper important, c'est même primordial d'avoir de la rigueur, de la discipline. Oui, tout à fait. Donc, merci. Voilà. Donc, je sais que tu l'as rencontrée non pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'en tout cas, tu ne la connaissais pas avant de rentrer en formation. J'ai fait ma formation 200 heures avec elle hein, et j'ai enchaîné avec la 300 heures. Voilà. Voilà. Super, vraiment super. Alors, je voulais aborder un sujet, parce que tu as prononcé le mot et c'est un sujet qui me tient très à cœur. La notion de spiritualité, je sais qu'elle trouve un écho en toi, ça je sais. Est-ce que tu peux nous dire comment elle se vit au quotidien pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la spiritualité? Alors, la spiritualité, d'abord, c'est la part invisible pour moi. Et c'est tout ce qui va me ramener à la conscience. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, c'est le comment je vis toutes mes questions intérieures aussi. C'est cet état intérieur hein, qui va me ramener à mon âme. C'est ça. Et donc, soit, moi, elle est très présente dans ma vie, elle est très présente. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle est présente la nuit, elle est présente dès que je suis seule, elle est présente. En fait, j'ai besoin de solitude quand même pour vivre mm-hmm. cette spiritualité. Sauf quelquefois, et heureusement, avec des échanges spirituels avec d'autres personnes. Mm-hmm. Ça, c'est une chance énorme. Et ça, je suis en train de le mettre en pratique, ça. Parce que jusqu'à présent, j'étais quand même plutôt seule dans ma spiritualité. Mm-hmm. Et maintenant, je découvre d'autres personnes avec qui je peux partager cette spiritualité. Mm-hmm. Donc, ça, c'est intéressant. Cette spiritualité, c'est le travail que l'on fait en yoga, hein, en fait. C'est la connaissance de soi, aller vers l'intérieur, à l'écoute de nos koshas, hein, de nos différents corps. Et notamment, en ce moment, je suis beaucoup dans le corps émotionnel. Parce que cette formation, évidemment, pour moi, ça a été une tempête émotionnelle hein, dans ma vie. Mais je crois que j'ai l'impression que c'est tout le monde. Mais beaucoup, beaucoup de choses autour de moi qui se sont passées. Et donc, ça a été vraiment une tempête. Et du coup, c'est ça qui est bien, finalement. C'est que quand on est en souffrance et quand c'est la tempête, eh bien, il faut arriver à se dire que c'est une chance pour nous.
Parce que grâce à ces bouleversements, eh bien, on revient vers l'intérieur. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je reviens vers l'intérieur. Et là, ben, voilà, je travaille encore 2 jours, puis j'ai 15 jours de vacances. Et en fait, ces vacances, moi, je me fais ma petite retraite chez moi. Hein, c'est-à-dire que là, j'ai 15 jours où c'est mon ashram et je vais me faire ma retraite spirituelle. Voilà, parce que je n'ai pas toujours les moyens d'aller en groupe, malheureusement, Bien sinon ce sûr. serait. Et donc, du coup, voilà, ça, je n'aurais pas fait ça il y a ne serait-ce que 2 ans. C'est-à-dire que là, j'ai fait un cheminement. C'est l'alimentation. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur aussi, bien sûr, puisque bon, tout ce que l'on mange, c'est quand même très important. C'est nos pensées, hein, la façon de penser. Donc, voilà, c'est les personnes avec qui on vit, avec les personnes avec qui on s'entoure en fait, hein, avec qui on communique. Important de choisir les personnes avec qui on est, puisqu'on a toujours le choix. Le travail que l'on fait, voilà, tout ce que l'on fait dans la vie en fait, essayer, c'est ça la spiritualité, c'est tout ça la spiritualité. Donc finalement, il n'y a rien d'extraordinaire dans la spiritualité, hein, c'est juste mettre de la conscience dans son quotidien, voilà. Moi, c'est ça pour Bah, moi. j'adore la manière dont tu es arrivée à dire ça. Je trouve que ça résume vraiment bien tout ce que tu as dit avant. Voilà, toi c'est ça. Oui, tu parles de l'environnement, enfin, et puis de nos écosystèmes personnels. Tout ça, c'est hyper important. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est simplement notre rapport au monde, en fait, et la conscience qu'on a de notre place dans le monde. Parce que souvent, quand on parle de spiritualité, alors quand on parle de yoga, des fois, on est quand même un tout petit peu des gens sectaires. Tu vois, un petit peu perché, un peu. Et en fait, moi, durant ces presque 3 ans avec Clotilde, puisque j'ai, comme toi, enchaîné les formations, il m'est apparu comme un flash que tout en développant et en étant de plus en plus consciente et vraiment en ouvrant déployant mes petites antennes, j'étais de moins en moins perché, en fait. C'est-à-dire que le niveau de conscience s'accroît. Et qu'en fait, tout en paraissant, pour certaines personnes, bien perché, bien barré, comme on dit, ouais, et bien en réalité, non. Pour moi, on est de plus en plus ancré, on est de plus en plus présent à nous-mêmes et puis au monde qui nous environne. Et pas du tout perché, pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on va être perché. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi j'ai eu longtemps cette étiquette-là. Bon, je suis à l'ouest tout le temps, je suis dans la lune, voilà. Bon, alors effectivement, j'avais vraiment un complexe hein, Mais par bien rapport à sûr. ça, à me dire mais non, mais je n'arrive pas à m'intégrer, à être dans le monde. Et finalement, ce qui compte, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Parce que pour quelqu'un qui ne partage pas cette même spiritualité, effectivement, on va être dans un autre monde. Mais pour des personnes qui partagent notre point de vue, bon, ben, voilà. Maintenant, après, il y a aussi cette notion, moi, j'essaie quand même de m'intégrer, je ne vais pas avoir le même langage avec quelqu'un, voilà, qui ne va pas comprendre ce que... Voilà, donc, bon, on est obligé de faire des efforts, évidemment, hein, comme tout le monde. Je pense Bien que c'est sûr. aussi ça, être un être sociable, hein, de toute façon. Voilà. Mais finalement, le fait de mettre de la conscience, eh bien, c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile. Moi, c'est vrai que j'ai passé une période, parce qu'on a des périodes en spiritualité. On a voilà, des champs de conscience un peu, hein, des dimensions différentes. Et c'est vrai que j'ai passé une période où ben, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à m'intégrer. Et je ne comprenais pas, je me disais, voilà, je suis une extraterrestre. Et finalement, maintenant, j'ai compris, quoi. Et je pense que la formation m'a beaucoup aidée par rapport à ça. J'essaie d'adapter mon langage quand même, voilà. Et ce n'est pas facile quand même. J'avoue que ce n'est pas facile. Je Mais trouve bon. que ce que tu dis, c'est très très juste en fait dans cette formation. Moi, j'ai ressenti ça beaucoup. Bon, moi, elle m'a changé la vie, hein. On a beaucoup beaucoup changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que la notion de spiritualité, elle est
on ne peut pas la dissocier du yoga de Clotilde et de, surtout de son enseignement. C'est pas, on n'est pas là à faire des super belles postures sur Instagram. Et super, hein, les gens qui incarnent des belles postures avec des corps incroyables, et voilà, c'est super. Et on n'est pas là-dedans, en fait. On est vraiment là pour être qui on est et accepter. Et ça fait. Alors, je pense tout le temps à Barbara qui voulait faire un passage avec Santosha. C'est vraiment ça, et qui a fait son passage d'ailleurs avec Santosha. Le contentement, c'est l'acceptation positive de ce qu'on est là. Et donc, ça renvoie à beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'adaptation. Et je trouve que, en passant, alors je n'ai pas fait de formation avec d'autres facilitateurs, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui ressort de cette formation avec Clotilde. Et c'est pourquoi j'avais très très envie en fait que vous puissiez en parler, parce que l'objectif c'est que les gens aient envie de pratiquer le yoga et qu'ils trouvent leur yoga, et qu'en fait on a chacune des parcours qui font qu'on va enseigner un yoga complètement différent, et ça nous est possible parce qu'on a une trousse à outils qui nous a été donc donnée par Clotilde. Et maintenant, on va pouvoir être nous-mêmes et dire, ben non, ben moi, pour faire ça, j'ai besoin de cet outil-là, de celui-là. Et toi tu n'auras pas les mêmes. Et tu vas faire ton yoga, sincèrement, pour le public auquel tu vas t'adapter. Je trouve juste, c'est génial. Alors, cette formation, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très riche, elle est diversifiée aussi. Mais oui. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel, c'est vrai qu'il est important. Mais il y a beaucoup la connaissance de soi, et d'ailleurs pour aller vers ce côté spirituel, c'est la connaissance de soi. Donc on passe par l'anatomie, par le côté j'ai beaucoup aimé le côté d'ostéopathie, hein, qu'on apprend. C'est fabuleux. J'ai adoré, d'abord parce que avant d'avoir l'enseignement de Shirley, je ne voulais pas dire que je faisais un yoga thérapeutique, en fait. Et Shirley, à un moment donné, on en a discuté, puis elle m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas le dire? Mais c'est thérapeutique, tu fais du bien aux gens, tu aides les gens. Oui. Et bon, on était tellement... Voilà, il y a beaucoup de peurs hein, aussi, dans ces, voilà, beaucoup de peurs qui sont dépassées. Donc, aller vers un yoga thérapeutique en conscience, hein, donc ça a été vraiment une révélation formidable. Et aussi, aller vers la connaissance de soi pour donner le meilleur de soi, grâce à Théodore, au niveau émotionnel, voilà, ça j'ai adoré aussi. Ah oui. Donc, et moi donc. Elle a su s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Ouais. Hein, avec Sacha dans les adaptations. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi son enseignement à Clotilde aussi sur les ajustements. Hein. Donc ça, voilà, et à Sacha aussi. Bon, Julie par l'écriture et par la musique. Voilà. Enfin, je veux dire tout ça, ça a été vraiment bien. Et encore. Moi, comme j'ai été très perturbée, enfin, je vais continuer cette formation toute seule parce que j'ai tout un tas de livres à relire, etc. Pareil. Et à écrire et à résumer et à intégrer, à diffuser. C'est pour ça que j'ai dit 2022, je ne fais aucune formation parce que je vais infuser ça. Voilà. Oui, on a même eu quand même accès à des... Enfin, tout le monde n'a pas cet accès-là grâce à Zoom. On a été en Inde quand même plusieurs fois. Et là, je veux dire, on accède à un niveau de connaissance où voilà, ça nous dépasse complètement. Quoi. C'est juste génial. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un grand écart entre l'Occident et l'Orient. Quoi. C'est vraiment C'est incroyable. Alors, du coup, ça m'amène à te demander, puisque donc, l'objectif, c'est de donner envie aux gens de chercher leur yoga et puis de se faire confiance et de faire... confiance à leur intuition aussi. Quel yoga tu pratiques là actuellement? Si j'avais envie de venir chez toi, parce que je t'aime bien juste, est-ce que tu pourrais me dire, ben, moi voilà, je pratique plutôt ce yoga là, peut-être que je te dirais au bout du compte, ben, en fait non, ça me convient pas, mais au moins je saurais pourquoi je viens ou pourquoi je ne viens pas. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu? Ouais, moi, j'ai toujours eu des cycles, hein, ben forcément, puisque moi-même, je change. Donc, je ne donne pas le même yoga qu'il y a un an. Donc là, en ce moment, je fais des cours collectifs de yoga thérapeutique. Mm-hmm. Pourquoi? Et c'est là que c'est drôle.
C'est que, pour ma certification, je n'ai, voilà, ça a été un peu pour moi un déclic parce que toute cette formation, j'ai eu la trouille de passer, parce que je pense qu'on était toutes mortes de trouille finalement. Bon, pourquoi? Parce que bon, je me dis, mais pourquoi je suis morte de trouille? Bon, ben, bref. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment des êtres émotionnels et que ça dépasse tout. Donc, je n'étais pas très, très satisfaite de ma prestation puisque je n'ai pas su transmettre le message que je voulais transmettre. Et du coup, pour moi, ça a été un déclic. Donc, j'avais longuement parlé avec Clotilde aussi après. Et du coup, j'ai toutes les semaines, bon, je change de mon krama toutes les semaines. Mm-hmm. Et toutes les semaines, je fais un cours différent de yoga thérapeutique. D'abord parce que nous sommes dans un contexte actuellement où beaucoup de personnes sont très mal physiquement. Hein, on a beaucoup de peur, beaucoup d'effets secondaires par rapport tout ce virus, etc. Donc du coup, et puis moi, ça a été difficile parce que j'enseignais depuis de nombreuses années autrement. Bien sûr. Donc quand on a des habitudes d'enseignement, c'est d'autant plus difficile. Je me souviens très très bien de ton passage et où je me suis dit, ça c'est vraiment Hélène, parce que tu employais des termes que j'avais jamais entendus par aucune des filles de la formation. Alors qu'il y avait des termes où on a des moments où on va employer des mots que Clotilde a employés dans son propre enseignement, alors que ça ne fait pas du tout partie de notre vocabulaire. Et toi, tu es vraiment restée Hélène, et je me suis dit, mais là, en fait, il y a des années et des années d'autoconditionnement, on va dire, qui font ton image, quoi. Et du coup, j'imagine que c'est d'autant plus difficile de déconditionner tout ça pour aller vers autre chose. Ouais. Voilà, et donc, j'y arrive puisque les élèves sont très satisfaits, donc ça se passe très très bien. Et effectivement, je cible vraiment des parties. Alors, j'essaie évidemment de joindre le physique avec la philosophie, etc. Ça, ouais. J'ai bien intégré tout ça en fait. Parce que moi, cette formation, j'étais beaucoup dans les kriyas. J'ai pris des cours avec Philippe aussi le matin. J'adorais ça et j'ai beaucoup intégré les kriyas. Mais voilà, et donc les adaptations de posture, pour moi, c'était trop compliqué d'aller sur un cours collectif. Aussi bien je le fais en cours privé, j'ai un cabinet, mais un cours collectif, j'avais pas intégré qu'on pouvait donner un cours comme ça, un cours collectif. Et donc je le fais là depuis 3 semaines, et c'est bien, et ça correspond à cette période-là en ce moment. J'ai démarré la saison, donc je fais les saisons, les années scolaires. J'ai démarré la saison, souvent j'enseigne la salutation en début de saison pour les débutants, etc. Parce que je fais des cours tout niveau. D'accord. Je ne peux pas faire des cours de niveau parce que pour moi, en yoga, il n'y a pas de niveau. On est chacun avec ses capacités. Et encore ce matin, voilà, je le redis tous les jours, on fait ce qu'on peut, et parce que j'adapte, on peut aller plus loin dans la posture, mais on peut s'arrêter là où la vue est belle. Voilà. Super, c'est top. D'accord. Bon, ben moi, je pense que je viendrai prendre un cours avec toi pour voir ça déjà. Donc, c'est super. Alors, est-ce que tu te souviens, au tout début de la formation, on avait eu une petite question, on était par deux, et on avait dû moi, je me rappelle, j'étais avec Linda, et la question, c'était qu'est-ce que je suis venue chercher dans cette formation? Je ne sais pas si on s'est reposé la question à la fin de la formation. Moi, je me la suis reposée pour moi. Qu'est-ce que j'étais venue chercher et qu'est-ce que j'y avais trouvé? Donc, je me suis reposée la question. Toi, est-ce que tu te souviens de ce que tu venais chercher? Super, mais j'adore. Merci, Solange, parce que vraiment... Non, mais voilà, c'est ça qui est formidable. Parce que quand je me suis posé cette question, moi, c'était pour ma pratique personnelle. Parce que justement, je voulais peut-être aller faire la posture sur la tête dans le vide, voilà. Non, mais... j'avoue que je suis venue pour ça, pour me faire plaisir à mon ego, hein, j'avoue. Et puis finalement, eh bien, j'ai trouvé autre chose, c'est ça qui est formidable. Finalement, j'arrive à faire ces postures puisque je les fais naturellement maintenant, mais sans faire exprès. C'est ça qui est drôle. C'est que, c'est le fait d'avoir trouvé ce monde intérieur
m'aide à faire les postures à l'extérieur. Mmh. D'accord. Et voilà, donc, et c'est là que je dis, oui, cette formation a été formidable. Parce que c'est pas que le côté extérieur. Voilà. Je suis venue chercher plutôt un côté extérieur, une pratique personnelle. Mmh. Voilà. Mais en allant chercher cette pratique personnelle, eh bien, on est obligé de passer par tous ces corps émotionnels et psychologiques. Donc, voilà. Mmh. Ouais. Voilà. Je pense chemin, là, depuis que tu parles, c'est qu'en fait, on avait toutes plus ou moins d'objectifs. Et en réalité, on a vécu un parcours. Ça ne nous a pas du tout forcément emmené là où on était, mais le but à atteindre, c'était d'en sortir avec l'envie de redonner, l'envie d'enseigner, l'envie d'être plus soi-même. Et j'ai l'impression quand même que pour la majorité d'entre nous, c'est ce qui s'est produit. Ce but-là, il est vraiment atteint, quoi. Après, ben voilà, on a vraiment cheminé chacune à notre manière, mais je pense que voilà, le cheminement, il est personnel à chacune. Et donc, oui, c'est sympa d'arriver à faire des postures sur la tête. Ça me fait tellement rire parce que j'ai des élèves que j'adore. Et je sais, je vais faire une dédicace parce que je sais que j'en ai une qui va se précipiter sur ce podcast quand je vais en parler. Et dans mes cours, de temps en temps, j'amène à une posture un tout petit peu plus exigeante. Et ce n'est pas du tout une obligation, mais bon, je l'enseigne parce que certaines personnes comme toi peuvent la faire, donc ils sont avancés dans la pratique, et puis d'autres beaucoup moins. Donc, et puis j'aide, et enfin bon, voilà. Et donc, il y a une personne que j'adore, j'ai envie de dire comme tous les élèves qui viennent ici, parce que c'est quelque chose d'humain qui se passe, qui une fois s'était trouvée, je ne sais même plus ce que c'était comme posture, et elle avait mis un moment à y parvenir. Et là, dans cette posture où elle était tellement en difficulté, elle hurle. Fais la photo, fais la photo. Alors que en réalité, elle avait totalement conscience que on s'en foutait de la photo, parce que le chemin pour arriver jusque là était tellement incroyable, ça on n'avait pas pu le filmer tout ça, et c'était des semaines, tu vois. Mais voilà, le truc c'est le chemin pour arriver dans cette posture, et elle a la tête qu'elle a cette posture. Voilà, le principal c'est de pas se faire mal et d'être content de l'avoir faite. Oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est l'ego qui nous pousse. Hein, mais en même temps, on en a besoin parce que finalement, grâce à cet ego, grâce à ces apparences, on est obligé de faire un travail sur soi à l'intérieur, finalement. Ouais. Et on le fait à tout, même quand on est grand débutant, le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au cours. Moi, je dis, c'est déjà ça. Le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au cours et de venir régulièrement, toutes les semaines. Et c'est ça. Hein, et de rester, parce que toi aussi, j'imagine, comme toutes, dans ces formations, alors que ce soit formation de professeur ou les élèves qui démarrent des cours de yoga, mmh, mmh. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut être, c'est mon maître mot, être déterminé. Hein, c'est être vraiment déterminé et à persévérer, à dépasser ses peurs. C'est que ça, uniquement ça. Dépasser ses peurs en permanence. Et identifier ses peurs. Alors, en fait, il faut les dépasser et elles vont s'identifier. En fait, des fois, les gens, tu vois, ils viennent à toi en se disant, encore une fois, je pense à une élève en particulier, une voisine, qui est arrivée à son premier cours de yoga comme ça, en regardant partout. Et la première chose, et en me disant, oh, j'ai oublié mon tapis. Je lui dis, tu sais quoi, c'est vraiment pas grave. D'abord, il y en a plein. Et puis, tout va bien se passer. Tu peux te détendre. Parce que moi, je n'attendais rien d'elle. Et je savais que c'était ça, son yoga à elle. C'était déjà de s'octroyer ce moment-là, de venir là, potentiellement de rencontrer des gens qui peut-être avaient un niveau en yoga, tu vois. Et en fait... C'est ça, en fait, dépasser ses peurs. Et bon, elle a d'autres choses à identifier, et c'est son histoire, et voilà, mais voilà, ce qui est vraiment important. Et c'est pourquoi j'ai encore une fois envie de partager ce qui nous est arrivé à chacune, c'est pour que les gens aient juste envie d'être curieux et de s'autoriser. Venez faire du yoga. Cherchez le prof, cherchez la personne. Voilà, et puis surtout, ne pas être dans la compétition, on est toutes différentes. Chacune est sur son chemin.
On n'est pas dans la compétition. Effectivement, il y a des personnes qui vont faire la posture sur la tête, d'autres qui vont peut-être faire le dauphin et ça va être déjà compliqué, et d'autres qui vont rester dans la posture de l'enfant parce que là, elles n'en peuvent plus à la fin du cours. Exactement. Et donc, voilà, et chaque, tout est juste et tout est à sa place. C'est Voilà, ça. ce qu'il faut, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Eliane nous avait dit là, sur, j'avais bien aimé, c'est quand on sort d'un cours de yoga, on doit être satisfait de son cours, on ne doit pas Ben être oui. frustré. Moi, j'ai adoré cette phrase, on ne doit pas être frustré, on doit être content, être dans le plaisir, hein, d'avoir, et non pas dire, oh, ben là, je n'ai pas fait la posture sur la tête, bon, on s'en moque complètement. C'est ça. Alors, c'est génial parce que tu me fais une belle transition. J'avais envie de te demander ce que si la notion de joie te parle. Tu sais que moi, c'est mon dada. Mon Oui. passage, c'était sur la joie. Donc, est-ce que cette notion, elle te parle? Et si elle te parle, ben, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Que ce soit dans le yoga ou qu'est-ce qui... Oui, la notion de joie me parle beaucoup parce que c'est d'abord le plaisir, moi, qui me parle en fait. C'est que dans ma vie, j'ai toujours recherché le plaisir. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, forcément, quand on est dans le plaisir, on est en joie, hein, parce que ça nous rend joyeux d'être dans le plaisir. Maintenant, en fait, j'ai un tempérament quand même plutôt joyeux naturellement. Mais ce que j'ai découvert, et ça c'est peut-être grâce à toi, Solange, finalement, c'est que cette joie aussi, elle peut se cultiver. Et ça c'est pas mal aussi. Et ça, je trouve ça pas mal parce que finalement, eh bien, oui, même quand on n'est pas joyeux, essayer d'aller vers la joie, c'est bien. Hein, ça c'est bien. Alors moi, qu'est-ce qui me rend joyeuse? Tout me rend. Surtout la nature. J'aime beaucoup être connectée avec la nature. Donc, de regarder les oiseaux, déjà, ça me rend joyeuse, ouais. Voilà, d'être simplement la paix, la tranquillité, ça me rend joyeuse. Le bonheur autour de soi, d'avoir les gens heureux autour de soi, ça me rend joyeuse. Voilà, il y a plein, plein, plein de... Alors après, il y a des différents degrés de joie. Évidemment, je n'éclate pas de rire non plus. Mais un sourire vers l'intérieur, même si je ne souris pas tout le temps, voilà, se satisfaire, la satisfaction juste de ce que, d'être satisfait de ce que l'on a, hein, et c'est surtout ben, le moment présent finalement qui nous rend joyeux. Beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup. c'est super cet échange. On parle juste de simplicité. Ça me tient vraiment à cœur d'échanger sur ça parce que alors, moi, je suis assez déconnectée depuis pas si longtemps finalement, mais de tout le brouhaha, tu sais, de la télévision. Enfin, la télévision, ça fait 30 ans bientôt que j'ai plus de télé, mais de tout ce qu'on voudrait nous faire croire qu'on a besoin d'avoir, de posséder pour être en joie. Or, ce que tu me décris là, c'est t'ouvres ta fenêtre, des oiseaux, il y en a partout. Il y en a moins à certains endroits qu'à d'autres, mais un chant d'oiseaux, le soleil qui se lève, mon sourire intérieur, juste parce que je me rappelle de quelque chose de... Moi, j'ai rien inventé, hein, j'en parle beaucoup. C'est ce petit bouquin là dans lequel je vous avais lu un petit texte, c'est un tout petit ouvrage de Thich Nhat Hanh qui vient de s'en aller là. Et le petit livre, il s'appelle Soyez libre là où vous êtes. Et il parle de la joie, il parle surtout de la culture du sourire. C'est tellement simple d'apprendre à sourire et de se contenter de ça. Et plus tu le fais, plus tu souris. C'est aussi simple que quelqu'un qui va ruminer des pensées négatives et qui va de plus en plus être dans la négativité. Et donc, oui, se contenter de cette lumière que je vois jolie derrière toi, là, derrière, je vois qu'il fait jour. Voilà, et c'est, voilà, tu vois, tu décris quelque chose de tellement simple. Simple, voilà. Le contentement. Ouais. Super. En tout Alors. cas, je trouve, tu as, moi, enfin, on se connaît très peu, hein, Oui, finalement, oui. Solange. Mais alors, moi, l'image que j'ai de toi, c'est toujours ce superbe sourire. Mais ça va, Voilà. moi aussi, je Tu le as toujours dis. ce Alors, sourire. voilà. Et comme je dis, je cultive la joie, ça veut dire aussi que, comme tout le monde, j'ai des creux de vagues émotionnelles. Mais je sais aussi qu'à ces moments-là, je n'ai pas envie de partager ça. Donc, effectivement, tu me verras toujours sourire. Quand ça ne va pas, bah, je n'ai pas envie de partager ça parce que je ne sais pas du tout comment sont les gens en face de moi. Il suffit que je tombe sur quelqu'un qui est lui aussi en bas de la vague. Je vais lui Voilà, en c'est mettre un ça. coup, ce n'est pas la peine. Et puis voilà. Mais c'est ma manière de faire et je ne vais pas juger une personne qui n'a pas cette manière de faire là, tu vois. Mais c'est Communicatif. pourquoi. C'est très communicatif.
C'est en fait. super. Moi, j'ai reçu la photo de Fred, m'avait fait une capture d'écran de mon passage, en fait, où j'ai. Alors, j'étais en 25 dimensions. Il y avait, je sais pas combien de Solange dans les écrans Zoom, là, parce que j'étais toute seule, je crois, sur Zoom, avec une espèce de sourire béat, mais qui m'a fait rire, tu vois. Donc, c'est bien, c'est très bien, ça me va. Alors, on s'achemine doucement vers la fin de l'entretien, mais j'ai encore deux, trois choses à te demander. Est-ce que tu as des choses à partager que je n'ai pas abordées et qui te tiennent à cœur? C'est le moment. Alors, moi, tu as demandé un livre, là, ce que je lisais en ce moment. Exactement, si tu as des choses à partager comme Alors, moi, ça. j'ai envie de partager un livre qui est pas facile, mais qui est extra. Moi, j'adore. C'est Le mandala de l'être de Richard Moss. Voilà, c'est ce que je lis en ce moment. Et c'est sur la conscience et le moment présent, justement. D'accord. C'est une personne que j'aime beaucoup, un petit clin d'œil à Émilie, qui est hypnothérapeute, et qui m'a prêté ce livre-là. Voilà, et donc j'aime beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est encore une fois un travail. Parce que c'est un travail quand même, hein, d'être dans la conscience. Voilà, ça ne se fait pas naturellement. Il faut aller chercher ce travail Bien à sûr. tous les niveaux. Donc moi, je lis, je fais un peu d'aquarelle, enfin voilà, tout ce qui est un peu artistique, voilà, de faire ce travail en plus des formations. Et voilà. D'accord. Tu fais C'est... de l'aquarelle. Oui. C'est un passe-temps que tu as pour enfin. Oui, alors moi, c'est le dessin m'a toujours appelée comme ça. Et puis, c'est un passe-temps mais qui prend de plus en plus de place. C'est super. Et en Voilà. fait, parce qu'on exprime beaucoup ses émotions et le regard aussi change. Bon, toi, tu es dans la musique, par exemple, je pense que ça doit être un peu pareil aussi. Tu as, le regard change et finalement, l'état de conscience change. Et donc, du coup, ben, ça me plaît bien. Non, mais encore une fois, je fais exprès hein, d'enfoncer le clou sur ça parce que comment tu t'occupes? Ben, je fais de l'aquarelle. T'es pas en train de me dire, je regarde la télé ou je, tu vois, c'est encore un Non, j'ai truc pas de très, télévision. très simple. Voilà. Ouais. Mais tu vois. Non, j'ai enlevé. Avant, j'avais une télévision derrière moi. Je l'ai enlevée, bah, pendant le confinement parce que vraiment, c'était insupportable. Et j'ai mis un mur de visualisation. Donc, j'ai fait justement, j'ai fait le portrait de Gandhi en aquarelle. Et puis, là, c'est la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination de Gandhi. Voilà. D'accord. Et bon, ça fait un an que je l'ai quand même. Il va falloir que Bon, super. Ouais. Tu as ce livre, t'as pas de musique à nous proposer ou des choses. C'est Si, juste. j'ai une musique, je t'ai préparé une musique si tu veux, d'Alexia Scholom. D'accord. Alors, Alors, je allez, peux te la je faire note. écouter si tu veux. Non, parce que tu sais, sur Zoom, ça ne va pas passer. Mais Ah ouais. simplement, ce que je vais faire, j'enregistre tout ça et puis tu vas m'envoyer les liens, tu sais, par un autre réseau. D'accord. Voilà. Moi, je vais Et t'envoyer ça. je le mettrai en description de l'épisode, ainsi que éventuellement ton contact, etc., pour que les gens puissent te retrouver, éventuellement te Bien contacter. sûr. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de créer du lien avec des. Tu as peut-être des voisines qui ne savent pas que tu es là. Bon, moi, je suis dans un petit village, en principe. Je suis pas mal connue, mais bon. Non, mais voilà. En tout cas, j'ai créé mes cours privés dans mon studio il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans. Ça s'appelle Bien-être chez soi. Et je fais des cours thérapeutiques privés et des massages ayurvédiques également. Et voilà, tu vois, Voilà. ces Voilà. choses-là. Et puis je sais que tu organises des retraites, tu vois, et c'est pas Si. rien. Et voilà, et donc c'est bien que les gens sachent que tu Ouais. existes, Hélène. Moi, je vais venir te voir en Dordogne, en tout cas. Cette année, J'espère. c'est 3. Oui, je vais venir te voir parce que d'abord, j'adore les arbres. Ça me rend beaucoup en joie, les arbres. Ça, Ouais. c'est. Et puis, ta belle personne, j'ai envie oui, de Bon venir ben, avec grand plaisir, c'est super. On est bien ici, venez. Bon, Hélène, je te remercie infiniment. Je te tiens au courant pour te dire quand je le poste, comme ça tu seras tout de suite informée. Et puis, au plaisir de partager. On est en contact et on est en contact. Merci. Voilà, je te souhaite une belle route. Et puis, bon, on va peut-être se revoir bientôt, je ne sais pas. Oui. En tout cas, on garde le contact. Exactement. Je sais que spirituellement, même sans se téléphoner, on peut C'est ça. s'envoyer des connexions. Hein? C'est ça. Namasté, namasté. Merci Solange, à toi. Merci beaucoup.